Salut à tous, Ingo, on se retrouve pour la suite sur Surviving Mars. Donc, on va essayer de stabiliser un peu tout ça dans cet épisode. Terminer l'étape du fondateur, surtout s'en sortir correctement. Prévoir nos prochains dômes ici, alors je pense que ça sera dans ce coin-là. D'ailleurs, j'ai annulé la terraformation que j'avais commencé là. Je crois pas que ce soit vraiment terrible. Donc, ouais, je l'ai annulé. On va attendre un petit peu ce que je pourrais faire peut-être, vraiment. En fait, j'ai pas envie de casser le terrain qui est assez plat comme ça, je trouve ça joli de base. Et juste regarder quelque chose que je pourrais faire. Si je le fais vraiment ainsi, juste là comme ça. Juste là comme ça, ça me va. Juste retirer à la limite les rochers là, voilà. Je pense que du coup... on aura deux dômes hein, dans le coin. Je vais pas pouvoir exploiter ça, ça et ça avec un seul dôme. Donc on aura deux dômes. There are Earthsick colonists. Et on commence à avoir des gars nostalgiques. Alors, je vais régler ça. Parce que j'avais mis des prios là-dessus. Et je pense qu'il manque des gars pour travailler là-dedans. Crop failure reported. J'avais rajouté ça et tout, on est plutôt pas mal hein. On a loupé une récolte, alors à mon avis c'est celle-ci. Herbe à blé. Ah, on a quand même quelqu'un qui s'est mis dedans, ouais. Ok. On avait notre capsule qui était prête. Research complete. Ok, parfait. Alors, recherche en végétation martienne. Ça c'est dû à la première recherche qu'on a terminée sur la terraformation. Alors, les graines sont stockées dans des entrepôts spécialisés utilisés sur les sites de boisement et fermes ouvertes pour planter la végétation à l'extérieur des dômes. Ouais, certains types de plantes auront besoin d'un certain niveau d'avancement de la terraformation, bien sûr. Vérifier l'atmosphère, la température, l'eau de surface et la couverture de la végétation dans la vue planétaire. D'ailleurs, ils en sont où nos concurrents? 24, c'est toujours 0. Ça y est, l'Europe a envoyé ses premiers bonhommes. Alors, on a quoi là? Waouh, putain, ça coûte une blinde. On va devoir attendre pour tous ces trucs. Transport télécommandé. Ça, ça sera pour plus tard. Ce que je vais prévoir, je pense... Hop, on peut le péter, ça. On a nos petites pièces détachées. C'est que dans la prochaine navette que je vais envoyer de cargo, on va prendre un rover en plus hein, de transport. Qui sont quand même hyper utiles. Et on a un nouveau site dévoilé ici. Non, c'est celui-là qui s'est terminé. On va finir ça. Alors, végétation. Les paramètres de végétation représentent la propagation... Et la diversité de la végétation et de la vie bactérienne à l'échelle planétaire, son amélioration booste. Ouais, la végétation est en masse grâce aux usines, heureusement. Ok, en plus ça on en a dispo, mais bon, je vais pas mettre ça tout de suite. Les bâtiments de terraformation sont maintenant disponibles consolidés pour produire des graines. Modifier la qualité du sol local, la végétation. Et faire monter les 4 paramètres de terraformation, ouais, bien sûr. Terraformation consomme des graines pour planter, ouais. Pour l'instant des graines on n'en a pas. Bon là on brûle du carburant. Carburant et mélange de carburant et de carbone extrait localement pour libérer des gaz à effet de serre, ce qui améliore efficacement la température. A considérablement renforcé l'effet de la terraformation à basse température. Ça coûte cher hein. Pour plus tard ça. Ouais, on a des gains nostalgiques, mais les messieurs, je peux pas y faire grand chose là pour le moment. On voulait pas trop. Toi tu t'ennuies. D'ailleurs on va les renommer, tiens. Alors, Curiosity pour le premier, étant donné que c'est l'explorateur. Ça lui va très bien.
Transport. Opportunity, ça va être pour toi. Transport opportunity, et là on va voir Pathfinder. Voilà. Bon, après il y aura les Vikings, Insight, Spirit. Il y aura d'autres noms à leur attribuer. Ça avance plutôt bien avec deux comme ça. Au final, je suis pas mécontent. Pas besoin de plus, hein, je trouve, pour le moment. Cette map est cool quand même, je trouve. Je la trouve vraiment sympa, quoi. Je me demande ce que c'est que cette activité géothermique là. C'est sûr qu'on va rien mettre dessus. Par contre, j'ai l'impression que ça balance des polymères un petit peu. Hein. Ce qui est pas dégueulasse. Toi, t'en es où d'ailleurs? Est-ce que t'as terminé? Ouais, parfait. Clac. J'ai combien de zones là? 13. Ok, il y en a un qui a développé parieur. Il va avoir envie d'un casino, mais le casino au début, ces pièces, c'est de l'électronique. Et ça coûte un peu cher quand même. On ramènera peut-être une première petite usine de pièces détachées. Vu qu'on va mettre deux dômes dans le coin. Et une usine à polymère, mais on va y aller mollo quand même. De toute façon, je vais pas envoyer de. D'humains. Tant que le setup sera pas ok. Parce qu'on va faire un réseau carrément différent. Alors. Ok, ils ont terminé ici. Donc voyons voir. Je vais ralentir quand même. Au niveau des dômes. Ça va passer ici. Il reste 2-3 merdes là. On va dégager ça alors. Si ça nous embête. Ok. Comme ça, on n'a pas trop cassé le terrain non plus. Bon, on a quand même retiré un paquet de rochers. Mais... ça va être ok. On va finir de scanner les zones en plus dans le coin, donc c'est impeccable. Et là, on va être prêt du coup. J'espère que bon, l'étape du fondateur, ça devrait bien se passer. Ouf, on n'a pas réussi à trop remonter ça quand même. Bâtiment de luxe ne fonctionne pas. Ouais, il y en a un ou deux qui sont pas très contents, mais le luxe, on l'a là. Je leur ai quasiment tout mis. Hein. Donc. J'espère qu'ils vont pas me faire chier quand même. La crèche était peut-être en trop. Hein. Curiosity a une sale gueule. Hein. Le pauvre. Au niveau des recherches, on en est où là d'ailleurs? Découvrir si nouvelle anomalie. Ah ouais, ça par contre, ouais, c'est intéressant. Ça c'est très cool aussi. Mais on va essayer d'avancer un petit peu en ingénierie là. On va prendre ça. On va sous-traiter un petit peu aussi. On a 4 milliards. Donc ça va le faire. Comment on est là? Il va bientôt falloir la maintenance. Ah oui d'ailleurs. J'ai pas mis de décharge ici. Mettre une, ça se remplit vite en plus hein. Tiens, on va lui changer le skin, sûr, on va le mettre comme ça. Hop. Parce que là en eau c'est pas fou hein. Production demande, on est pile poil. On est pile poil. Va falloir ramener du vaporisateur d'humidité hein. D'ailleurs je suis en train de me dire que là, deux dômes d'un coup, ça va être vraiment trop costaud, quoi. On va voir.
On va voir, mais de toute façon, ça me paraît un peu costaud. Si je le prévois un petit peu, d'ailleurs, il va falloir. Qu'est-ce que j'ai pris là? C'est pas le bon. Non, c'est pas le bon du tout. Extracteur d'eau. Il va y en avoir un là. Il va y en avoir un autre ici. Ce qui voudra dire que... Alors, on peut pas passer là ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ok. Comment ça, obstacle? Alors, on va m'embêter quand même là. Hop, hop, voilà. C'est à moitié bugué ça ou quoi? Ok. Ça fait un truc dans le genre. Je veux pas que je tire les câbles là. Bon, dans tous les cas, ça sera un peu ça l'idée. C'est bientôt fini ici. On va booster un peu. J'espère qu'on va avoir une bonne note. Mais il va falloir, ouais. En réalité, on a un nouveau gisement. Oh wow, juste à côté. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça change un peu les... Alors, ce qui veut dire que là, on pourrait faire un dôme complètement pété comme ça. Ou alors carrément un ici, qui serait plus orienté production, donc métal. Dans l'idée ici, et un peu plus orienté pour la science, ça me paraît pas mal. Research complete. Et après on pourra presque, alors quand on aura les plus gros dômes, parce que là cela, on arrive à tout avoir hein. Ça pourrait le faire ici hein. Et avec cela, ouais, celui-là aussi. Bon, on va attendre un peu parce que j'ai envie d'avoir les gros dômes aussi. Mais le prochain gros dôme là, ouais, il pourrait être intéressant. Le truc c'est que j'aurais bien aimé avoir un boost de science encore. On est encore à 800 avec les sous-traitants. C'est pas non plus énorme. Pas quel est le problème là. Ah putain, avec les câbles là ça passe très bien. Pourquoi il m'embêterait avec les câbles ici là? Bon, je sais qu'ils peuvent pas construire encore, mais ça me ferait un petit truc assez simple, un ou deux réservoirs d'eau, enfin on va les avoir sur les dômes. Bon, ici, boss dur. Là, on en est où? Je vais envoyer des petits drones là, quand même. Hop. À mon avis, il va bientôt y avoir besoin de le réparer. Est-ce qu'il nous restait des pièces détachées là où on a que des...
J'avais déposé que des... que de, du métal. Allez, table du fondateur bientôt fini. Putain, juste avant quoi, c'est sérieux. C'est fou de moi le jeu quoi. Ok, on va repasser ça tranquille là, en normal. Ça s'équilibre un peu. On va envoyer des gars après. Je vais rajouter un peu de stockage d'énergie là. Ici aussi d'ailleurs pour le dôme. Allez, c'est fini. Ils sont plutôt heureux quand même. Je pense qu'on a pas trop mal setup ici. Bon après là j'ai rajouté un peu, c'est pour prévoir des gars plus rapidement. J'avais pas éteint ça, tiens. J'aurais pu parce que je pense que le travail dehors, ils aiment pas trop. This will go down in history. Évaluation positive, parfait. Ok, bon, alors ce qu'on va faire, pause. On va se prévoir une navette de transport avec 10 gars. J'aimerais bien reprendre un docteur dedans. Alors, il est hyper robuste. Ouais. Et on en a un autre. Hypochondriate végétalien. Ok, il dégage. Un médecin hypochondriaque, machin et tout, c'est ouais, c'est pas fou quand même. Ça fait un paquet de botanisme, mais on en a besoin des ingénieurs un peu moins pour le moment. Géologue, docteur, botaniste, scientifique. Ça me paraît pas mal. Allez, on la lance comme ça. On va la lancer comme ça. Je suis en train d'hésiter pour le dôme là. Celui-là je vais le laisser là, mais je pense pas que c'est celui qu'on va prioriser. Ceux-là ils sont plus grands. Pas de flèche, on peut pas mettre de flèche dedans, mais est-ce que j'en ai pas un peu rien à foutre pour le moment? Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Les récents troubles politiques sur Terre ont conduit de nombreux réfugiés à s'abriter aussi loin que possible de la planète mère. Accepter des réfugiés dans la colonie fournira du financement et une bonne presse. Mais les transitions sociales ne sont jamais simples, parce que ces réfugiés ne sont pas entraînés à la vie sur Mars et leurs capacités de travail seront réduites dans un premier temps. Certains d'entre eux ont du mal à s'adapter au mode de vie. Martiens risquent de devenir des renégats. Oh putain! Non mais je peux pas recevoir 10 réfugiés moi les gars. Moins 15 de morale. Non mais je... c'est mort. On va pas amener des civils non entraînés comme ils disent sur Mars comme ça quoi. Non, non, là c'est bon, c'est 10 gars en plus. On vient d'en envoyer 10, faudrait en rajouter 10. Bon, je vais les mettre où? Je vais les mettre nulle part, quoi, les pauvres mecs, donc c'est même pas la peine. Ouais, il va falloir que je ramène 2 réseaux de drones quasiment. Ça va être chaud ça. Tire un peu dans les batteries, mais bon, moins 2, c'est vraiment bidon. Il va avoir fini là ou quoi, quand même? Parce que j'ai l'impression que ça dépend de la zone, pas forcément vraiment du style de terrain. De la zone qu'on met à terraformer. Ouais, revenons-en nos moutons là, à ce niveau du dôme.
C'est vrai que le petit dôme tonneau comme ça aurait pas été dégueulasse. There are Earthsick colonists. On aurait un peu tout là-dedans. Ça me fait douter du coup. Il passerait là? Est-ce qu'il passerait? Ouais, il passerait, je pense. Ok, ils ont fini, on va voir. On va voir ce que ça dit là. Si je terraforme ici. Sector scan. Oh. Oula. Attendez. J'annule parce que là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est parce qu'on vient de scanner juste cet endroit là. D'accord. Alors, ensuite on est parti là-dessus. On va terminer ça alors. Ouais, y aura pas grand chose là. Tac tac. On va plutôt faire ça. Comme ça, ouais. Waouh, ça change un peu tout là du coup. Il y a un boost de science énorme là dans le coin. Je sais pas quoi faire. J'ai envie de tester ces dômes là, que je trouve super sympa. Là j'ai tout. J'ai ça. Ça veut presque dire que un micro-dôme ici. Le petit micro-dôme, ben, il passe pour la science là. Il passerait. À l'aise. Dans l'idée, ça me paraît pas mal. Je vais envoyer mon petit rover ici. Je lui ai un coup de main. D'ailleurs, où est Opportunity là? Il est là. Je vais avoir besoin d'un peu de pièces détachées, mon petit. Ouh, tranquille, tranquille. Viens les déposer là. Ah, on a nos bonhommes, ça y est. Alors, c'est parti. Atterrissage. Incroyable cette zone en science. Hein. Allez, 10 nouveaux gars, c'est parfait. Ça va être pas le plein emploi, mais on va être bien au niveau des emplois. New colonists have arrived. Colonists are departing. 3 en partance. Waouh, pourquoi? Pas parce que on est quand même plutôt bien. Oh waouh! Alors là, je suis étonné, franchement. Je suis vraiment très étonné de ce qu'ils me font là. C'est bizarre. C'est bizarre et ça me plaît pas trop. Putain, il y a tout. Il y a tout ce qu'il leur faut, quoi. Quasiment. Pour un premier dôme. Ça me paraît assez fou. Research complete. Ouais, il y en a 3 qui sont... Ok, c'est bon. Elle... shopping, luxe social. Il y a tout. Ici on a le luxe shopping. Il y a quand même un médecin aussi. J'espère que ça bosse là, ouais.
On a le dîner social nourriture. On a le nourriture shopping encore là. On a détente, boire un verre, social. On a tout. On a tout. Ils ont. C'est bizarre là quand même, je trouve. Je trouve un peu dur avec moi. Putain, les enfoirés quoi. C'est pas grave, il y en a 3 qui partent. Ça veut dire que je pourrais ramener 3. Mais bon, pour 3 gars, c'est pas fou. C'est quand même pas terrible. Je préfère prévoir la nouvelle zone là. Ça, ça va faire un microdôme. Je regarde juste une petite chose. Ouais, je peux pas le faire tant qu'ils sont pas construits. C'est dommage. Je vais attendre un petit peu avant de la renvoyer celle-ci. Après on a des thunes hein, quand même. Oh, je suis déçu que 3 mecs se soient barrés là. Ouais, remarque, non, j'ai pas envie qu'il y en ait plus qui partent, cassez-vous. Neuf gars du coup. Pas de naissance encore. Peut-être qu'un petit dôme dans le coin serait pas dégueulasse. Genre par là pour rajouter un peu de pop. De bien-être et tout. Mais est-ce que je pourrais les relier? Ça m'étonnerait. Ah, ici il sera nul. Peut-être plus dans le coin. Je pourrais retirer ça, le relier. Rajouter une ferme ici. Bâtiment, etc. Ouais, ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire. On va attendre, hein. On va pas faire ça tout de suite. Je suis déçu que les 3 gars soient partis quand même. Parce que là, on a vraiment fait ce qu'il faut. Enfin, pour moi, j'ai fait ce qu'il fallait. Hein. Peut-être aller un peu vite là-dessus, mais je vois pas quel impact ça aurait eu. De personne ici, c'est une crèche donc on, voilà. Il y avait le setup qu'il fallait. Hein. Ça c'était peut-être à peine en trop. À la limite, ça c'était peut-être le truc en trop. Ouais. Avec la ferme hydroponique que j'ai mis peut-être un peu tôt avant d'envoyer des gars. C'est peut-être dû à ça. Du coup, moins de monde pour bosser ici. Ça a l'air d'être ok quand même. Hein. Je vais couper ici pour l'instant. Je préfère qu'ils bossent là-dedans. Et qu'ils produisent. Que tout le monde soit à peu près content quand même. Ça a l'air c'est le cas quand même. Santé mentale. Ouais, c'est vrai qu'un dôme avec plus de gars pour assurer un peu l'emploi là, ça serait pas mal. Hein. Stabiliser le coin avant même de partir ici. Allez, on va essayer. On va essayer de faire ça. On va essayer de faire ça, je pourrais même presque dégager les logements ici. Faut juste que je relie les deux dômes. Notamment, il va falloir péter l'épicerie, je pense. Ah, on peut vraiment changer les parcs aussi, c'est cool ça. Plutôt sympa. Bon.
Du coup, je vais essayer de me focus là-dessus plutôt. Pour envoyer des gars, essayer de stabiliser ces deux dômes. Même si en termes de production, ici, on a que ça. Ce que je vais potentiellement faire, c'est que si on construit déjà deux bâtiments plus d'habitation avec une grosse ferme, ça va déjà bien remplir. Est-ce qu'on pourra mettre un bâtiment de... une petite usine, peut-être ? Quitte à dégager ça, là. Mais déjà, un truc d'habitation, ça fait 14 en plus. 14, avec tout ça, on relie les deux dômes. Je pense que ça va déjà être pas mal. Hein. Je pense qu'on sera déjà pas mal. Ok. Je m'en pose, on va s'arrêter là pour l'épisode, du coup. Je suis content parce que ça avance bien. Et franchement, je prends plaisir à jouer. Ça fait longtemps que j'avais envie de me remettre dessus. Donc, c'est cool. On va essayer d'arranger tout ça. Je vais mettre en stand-by ici. Hein. Je vais laisser ça, bien sûr. La préparation du terrain. Mais ça va pas être la prio là. Ça c'est clair. Dès qu'on va lancer ça, par contre, on va commencer à être pas mal. La prio, ça va être essayer de stabiliser ici notre zone. En termes de production et de bien-être. Ça serait quand même cool. Qu'on soit pas trop dérangé. En termes de ressources, on est plutôt pas mal aussi, je trouve. Faire une usine de pièces détachées, ouais, ça serait bien une petite usine. Je me demande, hein, parce que dans le bâtiment là, ça me fait hésiter quoi. Ça me fait hésiter à terraformer le truc là, du coup, pour mettre un autre dôme. Je sais pas. Allez, on se quitte ici du coup. Je vais arrêter de réfléchir. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très vite pour la suite. Salut à tous.